So, this is the final session. I am sure that you all will regret it, but this is the final session. The good news is that there are much more participants still alive and there than I had expected. So thank you very much for being so faithful to all of us. So the final session, as usual in the WPC, it's not on a particular theme. We have six friends. When I say friends, that is they have all been associated with the WPC for many years. And the task of this final session is to ask all the members, the panelists, to say what they want to say, you know, what they think has been missing, what they think should be brought further in the discussion, not tonight, of course, but in the upcoming month, maybe next year. So it is a very free discussion, very relaxed too. So we will start with Asia Alaoui, who is ambassadeur itinérant de Sa Majesté le Roi du Maroc. Asia, j'espère que tu vas parler français, parce que je voudrais aussi encourager l'emploi de la langue française. Asia, voilà, tu vois qu'il y a des applaudissements qui signifient que de parler un peu français est toujours apprécié ici. Tu as la parole. Excellences, Mesdames, Messieurs, cher Thierry, merci d'abord merci aussi Mustapha pour cette hospitalité et la qualité des interventions. Évidemment, merci aussi pour cet exercice périlleux. Il faut d'abord vous maintenir en vie, comme il dit, et ensuite, en quelques minutes, donc je serai extrêmement brève et j'espère compter sur vos questions pour éventuellement éclairer les points que j'aurai survolés. Nous avons deux secondes pour retrouver l'humanité dans le regard de l'autre, surtout dans celui de cette humanité rebelle, nos enfants, qui nous interpellent sur le legs mortifère que nous leur laissons. Deux minutes pour un tweet planétaire, réfléchi, j'espère, celui-là, pour agir. Après une prise de conscience de 20 ans, pour réparer les dégâts de plus de 200 ans de l'ère industrielle et de la surconsommation qui perdure. Cette accélération, vous l'avez bien compris, c'est le plus grand défi que l'humanité ait à affronter. Le défi du changement climatique, de l'environnement, de la survie même de l'humanité. Un défi, on l'a dit évidemment et répété, global, complexe, existentiel et bien entendu urgent. Et qui vient surcompliquer les myriades de défis et de risques que nous devons relever tous les jours. Alors pouvons-nous le faire? Là est la question. Certes, nous disposons de promesses technologiques, de l'inventivité sans fin de l'homme, de la science, du potentiel immense des océans et des mers pour une économie bleue, mais il nous reste évidemment à réconcilier la technosphère et la biosphère. Il reste à tous les acteurs, comme cela a été encore souligné hier par M. Fabius, tous, je dis bien tous, à prendre leurs responsabilités respectives, globales bien entendu pour les États par rapport à leurs citoyens, au-delà de leur bien-être, de leur survie qui est en jeu, du business, une responsabilité écologique qu'ils doivent exercer avec responsabilité affirmée, comme certains d'ailleurs commencent à le faire pour la responsabilité sociale. Mais ils doivent aller bien au-delà, car il s'agit de bouleverser les modes de production, de distribution, et au-delà de ces process,
de la nature même et de la qualité des biens et services qu'ils nous proposent. Je ne rentrerai pas dans le débat entre M. Pouyanné et M. Fabluzière, qui est responsable et qui fait quoi, mais il est tout à fait clair que c'est ce qu'il propose à des consommateurs voraces qui vient évidemment fixer parfois les règles du jeu. Nous surconsommons parce qu'il y a la tentation, il y a la publicité et il y a les produits disponibles bien au-delà de nos besoins. Des consommateurs qui, pour leur part, bien entendu, doivent changer de mode de vie et doivent revenir un peu à la raison. Alors tout cela, évidemment, je ne veux pas du tout d'une écologie ou d'un respect de l'environnement punitif, mais il faut bien réaliser que si nous continuons sur cette lancée, on n'y arrivera pas. Je crois que tout le monde en est convaincu, mais avons-nous la volonté de le faire ? Là est la question. Pouvons-nous nous départir de ces modes de vie dévastateurs pour la planète ? Sans naïveté et avec une volonté affirmée, je pourrais dire, et cela évidemment choquera plus d'un, car c'est là le paradoxe, car ici et maintenant, en Méditerranée, le lieu peut-être où se conjuguent toutes les vulnérabilités, où se conjuguent tous les risques, où nous voyons la multiplication non seulement des conflits, mais aussi des menaces, et du stress hydrique, etc. Je ne les citerai pas, vous les connaissez tous. Eh bien, paradoxalement, je pense que nous pouvons, en Méditerranée, relever ce défi grâce à plus de 2000 ans, pour rester dans les chiffres, puisque j'ai commencé par cela, grâce à 2000 ans de sagesse adaptative, de résilience. Nous nous en avons surmonté, nous avons vu de toutes les couleurs, mais nous avons vu aussi les Romains faire les aqueducs pour venir à bout du stress hydrique. Nous avons vu des prouesses qui ont été faites en Méditerranée. Alors, sommes-nous capables de nous emparer de cette sagesse adaptative pour précisément relever ce défi et mieux, peut-être être le laboratoire pour le reste du monde, parce que précisément les défis sont tout à fait pressants ici. Eh bien, c'est cette humanité-là, exigeante et rebelle, que le président Emmanuel Macron a appelé à la rescousse pour le sommet des deux rives, pour donner une nouvelle impulsion en Méditerranée occidentale, ce qu'il est communément admis d'appeler les 5 plus 5, et bien entendu, au-delà de cet objectif affiché, moi j'y vois plusieurs inputs. Tout d'abord, une manière de relancer autrement ce multilatéralisme qui est tellement mis à mal, et par ceux-là même qui l'ont créé et qui l'ont, je dirais, imposé au reste du monde, y compris à nous-mêmes, qui essayons d'y naviguer avec toutes les difficultés que nous connaissons, eh bien, à travers un format inédit qui met en présence des partenariats entre les États, les représentants de la société civile et les partenaires bailleurs de fonds. Ceci pour faire quoi ? Eh bien, pour mettre en œuvre des projets concrets, échanger un petit peu de cette logorée méditerranéenne qui malheureusement se transforme en discours compensatoire. Et c'est à travers des projets concrets qui sont portés par la société civile. Je me réjouis qu'ils soient portés majoritairement par des femmes et par des jeunes. Les femmes, Thierry, on n'en parle pas beaucoup dans cette conférence et je le déplore. Je remercie M. Tanaka qui veut donner le leadership aux femmes pour décarboniser la planète. Good luck. Et donc, voilà, pour faire quoi ? Pour donner corps, pour donner vie à ce couple improbable que recherchent tous les leaders, c'est-à-dire démocratie participative et efficacité. À travers ce faire ensemble, permettre aussi aux citoyens des 10 pays, entre eux, dans les rives respectives, mais aussi entre les deux rives, de mieux se connaître pour faire prévaloir la coopération sur la confrontation et la convivialité sur la conflictualité, promouvoir donc un meilleur vivre ensemble lorsque l'on sait que les forces de déconnexion sont à l'œuvre, sont absolument terrifiantes. Alors bien sûr, chemin faisant,
la Méditerranée pourrait devenir un laboratoire pour le renouveau, pour de nouveaux modèles de développement. Et vous savez à quel point au Maroc, nous sommes en train de plancher sur justement un nouveau modèle de développement qui puisse être à la fois satisfaisant sur le plan social et sur le plan écologique et environnemental. Donc cette jeunesse a mieux éduqué, mieux formé, qui circule librement et qui donne libre cours aussi à sa créativité. À travers la sagesse énergétique, et nous savons le faire, et cela a été démontré, bon, tout est très complexe. On ne peut pas se cacher derrière l'hypercomplexité. Mais il faut la volonté de faire les choses. À travers la réhabilitation aussi du passé dans les villes historiques et les médinas, pour mieux se projeter dans l'avenir, pour recréer ce lien intergénérationnel, pour insuffler du digital, j'espère moins énergétivore, pour justement recréer ce lien intergénérationnel qui est en train de se déliter partout et qui porte évidemment ombrage à notre mémoire collective. À travers aussi une économie circulaire, extrêmement intéressante, car nous avons un mariage entre l'Italie et la France oblige. Oui, j'y arrive. Une économie circulaire avec une alimentation produite dans les villes, mais aussi mariage mer et terre. Nous avons la chance d'avoir 70% de côtes pour libérer le potentiel de cette économie bleue, des circuits courts, une aquaculture terrestre, pas nourrie par le poisson sauvage et qui le détruit, et aussi la culture. Bien sûr, c'est le plus dur, c'est là que les blocages sont les plus terrifiants. Mais un tourisme durable qui crée aussi le brassage dans notre région, les médias qui sont impliqués, car ils se sentent souvent exclus. J'ai la joie de porter un projet sur la mutualisation des éditeurs qui a été marié à celui d'Elisabeth Guigou de la Fondation Annalint pour la traduction. Et nous pourrons ainsi, à travers nos langues multiples, créer des vecteurs de notre langage commun en Méditerranée. Voilà donc une Méditerranée racontée non pas par les cercueils des migrants, mais par ses talents pour créer du renouveau, pour créer la fabrication de ce futur possible commun. Bien sûr, il nous restera pour cela à lever les oublis des promesses non tenues de l'histoire, comme nous y invite Paul Ricoeur. Il nous reste aussi à répondre à l'appel d'outre-tombe de Mohamed Harkoun pour un remembrement spirituel, intellectuel et éthique de la Méditerranée. Si l'on peut bien sûr se consoler de la perte du passé, et encore, comme nous l'avance Amin Maalouf, un autre grand méditerranéen, c'est de la disparition du futur que l'on ne se remet pas. Je remercie donc tous ceux qui œuvrent pour la survie de l'humanité et aussi pour aider nos enfants à devenir les acteurs de leur propre avenir dans une Méditerranée réconciliée avec elle-même, non pas appendice de quoi que ce soit, mais pleine et entière pour qu'elle puisse irradier vers tous ses ailleurs. Je vous remercie. Merci Assia, et je retiens pour ma part le concept de sagesse adaptative, qui naturellement va très très bien avec les femmes. Alors maintenant, je vais passer la parole à un vieux complice, Karl Kaiser. Je dis vieux complice, en fait, c'est en anglais, c'est « a friend of long standing », ça évite de parler de vieux complice, mais enfin... Il est quand même un vieux complice, un ami, puisque nous connaissons depuis le milieu des années 70 et que nous avons travaillé de longues années ensemble quand il était le patron de la Deutsche Gesellschaft zur Auswärtige Politik à Bonn, puis à Berlin, et qui, depuis un certain nombre d'années, vit à Bruxelles. À Bruxelles, ça ne va plus du tout, non, aux États-Unis, à la Kennedy School of Government, où il est toujours... Non, à Harvard, d'ailleurs, en fait. Non, c'est la Kennedy School, maintenant. C'est la même chose.
Oui, c'est la même chose. Enfin, je fais partie de Harvard. Bon. Enfin, merci de compenser ma confusion. Et en tout cas, mon cher Karl, voilà un bon exemple de sagesse et je te passe la parole avec joie. Thank you, Thierry, for these kind words. And indeed, it has been a long and wonderful relationship that we had. And I can only congratulate you on what you have created, because you remember you started out to create IFRI and then to create this conference, and both have made a major contribution. I was inspired by the conference to share some thoughts on the long term, on the geopolitical long term, the world of tomorrow, which will be one of a new G2, two big powers dominating that structure, namely the United States and China in a relationship of rivalry, comparable to the bipolar world that we had during the Cold War. 3 points in good French tradition. Who is actually destroying the order that was created after World War II? We discussed one. The very country that bought it, that built it up, and led the restructuring of the world after World War II, leaving the JCPOA, thereby really questioning the continuation of non-proliferation policy that was built up after the war. The same you could say about American policy on North Korea, leaving the Paris Accord, leaving the TPP, which was an attempt to organize the Pacific Asian world so that China does not define the rules of the game, ending TTIP with Europe, destroying the World Trade Organization, imposing tariffs on friends and allies, withdrawing from the most successful part of American foreign policy, the support of European integration, questioning the alliances, and using the dollar, if not abusing the dollar, to impose foreign policy goals on the rest of the world. Quite an attempt with some success. We discussed it in a very good session that we had here. However, there is somebody else. There is the great challenger, China, rising, which poses as the defender of multilateralism, of international law, of international institutions. But I would argue that's an intermediate position. If you look at the Belt and Road Initiative, and we heard it from Kinrad, it creates a wide system of bilateral dependencies of states that are friendly, if not compliant, and activities in Latin America and in Africa with the same purpose. And let me remind you that the country that professes that international organization and international law and multilateralism should guide the world of the future decided to totally neglect the decision of the International Court in The Hague on the militarization of the islands in the South China Sea. I thought it was very well summed up in one remark in the Hong Kong debate that Eric Li made, when he said, we have to, and it's almost verbatim, we have to replace the hegemonic universalism in defining the rules of globalization by one country, brackets, the United States. And we have to replace it by a system where everybody defines the rules of globalization by himself, brackets, with China leading. So, the old system is challenged profoundly. Secondly, we have now to look at how some global trends affect this emerging G2 world. And I think all, and I would like to mention three which I think are underestimated in their impact, and all three have been discussed here, and I do hope that the World Policy Conference will continue to discuss them in the coming years. There's first cyber war. We have entered a new era. I think Jean-Louis Gerberin was right to say this is, so to speak, a Clausewitzian innovation. It's the continuation of politics by other means. Cyber war, not war, not the old kind of war, cyber war. Indeed, one can now, through cyber activity,
affect the politics of another country without having armies to march. You could argue, as I did in the debate, that Putin succeeded in getting his men into the White House by cyber activity at the cost of less than a fighter jet. Quite a success. That is the new era that we are entering. And some of you were there when I argued with John Sawyer, who said, this is a problem in particular for authoritarian countries because they're very shaky, because the democracies have the checks and balances system. I would argue that's true, that we have the checks and balances system. However, democracies have particular weaknesses because they're open. The social media are open. We believe in freedom of speech. So the cyber war attack can be conducted much more easily in democracies. And as you know, those who follow American politics, it is the majority leader of the Senate who blocks the legislation to protect America in the next election, 2020, against further cyber activity to affect the elections of 2020. So that's the one part. The second part, which you allude to, is the climate change. Have we really thought through what the climate change will do to international politics? Here is a task for the future. Imagine it goes up to 2% or to 3%, as Monsieur Fabius was mentioning these alternatives. Already now, the United States has lost an entire city, now an entire town in California. There will be more towns. Coastal cities will have to be evacuated. In other words, the reallocation of means will be fundamental. What will it mean for the need to have land as the land disappears? And finally, let me mention migration. Migration completely affected and changed domestic politics in Europe, in the United States, and it will be very much a problem of Europe because America is surrounded by oceans. As Africa grows, you've heard the debate here, 2.5 million by 2050, 4 to 5 billion by the end of the century. There will be an enormous pressure from the South. And unless there is a fundamental change of policy to help the people stay where they are, which means a complete change of European policy, this is going to be Europe's biggest problem in the future. Finally, third point, the US-European relationship in this kind of G2 world. Let's remember first that the US and Europe are the cores of the West, of Western democracy, of human rights. They have peaceful relations. That has been their function and will remain their function. Second, they have the highest degree of economic integration of any two large areas. 50% of all transatlantic trade are internal company trade. They're highly, highly integrated. Europe has reacted to Trump with the strategy of sticking to the old rules, sticking to the old institutions, circumventing him wherever possible. Japan and the European Union having trade agreements or a trade agreement with Mercosur. Let us remember that the US public, and you will have listened to the debate here describing how America has changed and to what extent there's continuity in American thinking from that Trump really continues the old policies. Keep in mind that this is not the opinion of the American public. There is another America besides Trump. 87% polls of the Chicago Council believe in international trade. 70% believe in the NATO commitment. In fact, it has gone up since Trump was elected. 78% actually. So there is that, plus the Congress, who has a very different point of view. So let us not assume that what Trump is now pursuing is the policy of the America that rebuilt the American-European relationship. And the European Union is pulling together under this pressure. Yes, Europe is divided in many ways, but it is also becoming much more aware of the necessity to act on its own. And whether they are principal nations, a concept that we developed jointly quite a few years ago, principal nations, like yesterday, France and Germany made a statement on Turkey. There will be other principal nations in the European Union. And even after Brexit, Britain will still be in the European group. So
there is a talk now of majority voting in foreign policy. It will probably come one day. Let me conclude. In the G world, the G2 world, the US-China rivalry world, I think one can argue this. The US will continue to need Europe in this competition. The US cannot allow China to dominate the western rim of the European, of Eurasia. That is a given. And Europe needs the United States in order to survive in this kind of rivalry. And finally, Europe will, for the same reason, will not fail to engage Russia anew, because in this world of the future, a Russia that becomes a permanent satellite of China is not acceptable neither to Europe nor to the United States. Thank you very much, Karl. Karl Kaiser alluded to this concept of principal nations that we indeed elaborated together with the American Council on Foreign Relations and Chatham House. Yeah. And that was in 1979, the year of the creation of IFRI. And that was a common report named Sharing International Responsibility. So I think that if we reread that report, 40 years old, we will probably find all the major concepts that could be useful today. Thank you very much. I found you a little bit WASP, nevertheless, because your Harvard life. I'm not so sure that everyone would agree with your optimism about the US and NATO, but we will perhaps discuss that later if we have time. Now I give the floor to Mona. Je switch back to French, because I would like Mona, I would like you to speak French, or half French, half English. Pourquoi pas? Ça, hein? On réglera ça tous les deux, d'accord? OK. So Mona Makram-Ebed is, as you all know, a friend of WPC since the beginning, maybe, almost. And we are very eager to listen to you. And I say that in English, since it shows, by the way, the power of women. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là, comme vous le voyez. Et je trouve que vraiment ces réunions que nous avons chaque année, ça nous regroupe, non pas seulement en tant qu'amis dans un club, mais aussi d'entendre des analyses qu'on n'a pas du tout l'occasion d'entendre. Donc je voudrais vraiment remercier... I want to thank Thierry for inviting me to the WPF, which to me has become the best think tank in Europe, and particularly when it is held in my favorite country, which is Morocco. Now, what I propose, by the way, I spent my honeymoon in Morocco. I don't know if this is a good memory or not, but it is. What I propose to do today is to offer you three alternative scenarios on the future of the Arab world, bearing in mind that our current Arab world is suffering from a future deficit. Nobody speaks about the future because they don't know where to go. So, meaning that also that ambitious dreams for an alternative and better future, as it was envisaged in 2011 in what was ridiculously called the Arab Spring, these ambitions and these dreams have been shoved aside in favor of the short-term goals of maintaining stability and security. This is all what the Arab world wants today, stability and security, and avoiding civil war or state collapse. No talk about democracy or human rights. Trump has given us the lead. These are taboo words today.
One thing is almost sure is that the Arab Middle East will remain a region of high stress for the foreseeable future. I'm thinking here within the horizons of roughly 2025 to 2035. Not too long, but not too short either. We are living through an age of technological revolution, as we have heard for the past 3 days. Change in communication technology has ended in the Arab states' monopoly on information, created webs of informed and mobilized citizens, and greatly contributed to the upheavals of 2011 and beyond. Arab governments are trying today to learn from the Chinese. The only thing that they try to learn is how to control this new information dragon and to regain their dominance, but it is too late. The top-down monopoly has already been broken, and people have not only gone beyond their fear, but almost. Breakthroughs in artificial intelligence could strengthen the control capacities of governments, but they could also be used by terrorist groups as a form of cyber weapon, as we heard, in a completely different direction. So, therefore, technology will be one of the key wild cards in the near future. Now, let's go to some of the most important countries in the region. Let's start with Egypt, noblesse oblige. It is no secret that Egypt faces a staggering array of demographic, economic, political, environmental, and security challenges. However, the current administration of President Sisi has taken a number of important steps to grapple with these, including economic growth, job creation, energy needs, etc. Therefore, it is in the realm of possibility and with a lot of imagination that the current trajectory could produce enough economic development and job growth to keep the country relatively stable. Perhaps an Egyptian failure is too big to contemplate and just impresses upon us to focus on avoiding it. Yet it remains the biggest challenge in the region and one that if we continue to ignore is at our own peril. Now, what is the geopolitical context we are talking about? These include conditions of fragile states, a broken regional order, and a changing set of global dynamics impacting the region. On the other hand, what are the effects of the global powers on all these changes? The new US national security strategy, unveiled under the Trump administration, recognizes that great power competition, particularly with Russia and China, has returned as the main driver of security and foreign policy concerns. In this case, the Middle East will be an arena for great power competition. Finally, what are the three scenarios envisaged? One is a muddling through scenario, meaning a form of continuity. Plus ça change et plus c'est la même chose. Meaning, the Arab world will remain a region of strained economies, high youth unemployment, and fragile states. Two, second scenario, things fall apart completely. If we look at the development of the past decade, we can see that the situation has gone from bad to worse. There are more failed states, more armed non-state actors and terrorist groups. The socio-economic conditions that drove revolt a decade ago are generally worse. Also, the absence of inclusive and responsible political institutions are worse today. There are a number of ways things could get considerably worse. For instance, tensions between Iran and Israel or Iran and Saudi Arabia could escalate into all-out war. Egypt and Saudi Arabia could, for example, stumble and fall
as other large states have in the recent past. Terrorist groups could regroup and use cyber warfare or weapons of mass destruction. This is the second scenario. Our third scenario is where things dramatically improve. And this is the one that I support. If Egypt and Saudi Arabia succeed in their ambitious economic and social plans and break through to high levels of growth and employment, that would raise living standards and relieve domestic pressure. If the three civil wars in Libya, Yemen, and Syria reach a suitable negotiated settlement, this will have positive effect on the region. On another level, and this is the one I encourage, it is not out of the question to imagine resurgent civic and political demands leading to a stepping back from authoritarianism and the reappreciation of the wisdom of inclusive and responsive political systems. These could appear either in the form of democratizing republics or constitutional monarchies. In conclusion, what I've tried to do is not to predict, because you can't predict in the other Arab world, but to identify trends that policymakers should be aware of and also identifying possible opportunities and positive outcomes. Thank you for your attention. Thank you very much, Mona, for this excellent presentation, which also was concise. I think you were the shortest so far. You respected perfectly timing. Thank you very much. Let me just ask you a short question. I was a bit surprised that you put Saudi Arabia and Egypt in the same basket, so to speak, when we mentioned the success, hopefully successful development plans. But do you establish any correlation between No correlation at all. Except that they're two big states in the Arab region, and they're both undergoing reform on their own. Do they have a real chance, in your judgment, to be successful? Which one of them? Both of them. I mean, Saudi Arabia has a lot of opportunities to spend money, including hundreds of billions of dollars to appear weak, as they did recently. But do you think they have a chance to be successful with the MBS plan and in Egypt too? No comment. Oh, thank you. That's a very concise but precise answer. Okay, now Manuel Muniz, who is less and less young, of course, year after year, but nevertheless a young star in the world of international relations experts. I think, my dear Manuel, that you did an internship, more than that, at IFRI some years ago. And you have been very successful at the Kennedy School, at Harvard anyway, working with Carl for a number of years. And now you are back home, that is, to Spain. And we are very eager also to listen to your remarks. Thank you, dear Risa. I'll remain seated if that's okay. So I thought that the past couple of days were very, very interesting, and it sort of reaffirmed something that I've been seeing in most of the debates on global issues that I attend, with some very particular features that I saw here. And it's this. I think this is the backdrop to most of our discussions, which is what Carl mentioned. You know, it's sort of the weakening of the international liberal order produced by two forces fundamentally. One, that it's external, or the siege of the order by the rise of illiberal powers, and China is there, and I'll focus on China fundamentally in my remarks, but also I would add Russia, and I would probably add the failures of the Arab Spring and the democratic regression that we've seen in the Arab world. The only country that has undergone a revolution in the Arab world in the past few years and has
come out of that event with more rights and stronger democratic institutions, in fact, Tunisia. But I'm not going to go into these cases, but it's an interesting external landscape to this order that looks far less liberal and much more questioning of the order, and I'm going to focus on China. And the second force is internal, and it's a real implosion of the liberal order from within. And I think Trump and Brexit and developments in Spain and in France and in other places are a manifestation of this. And this is just a growing number of citizens within liberal democratic countries that are beginning to question fundamental features of that order, whether it's porous borders and cosmopolitanism or free trade or free markets or in some instances, democracy itself. Let me focus for a second on the external dimension and on China, because I thought it came up during our discussions, particularly there were a couple of sessions on the first day that I thought were fascinating. And as you know, people in this field are sort of wondering whether the US and China are headed for a collision, what our colleague at the Kennedy School, Graham Allison, calls the Thucydides trap. And I used not to, I didn't buy this thesis because I bought the interdependence thesis, right? These countries are too interdependent, both in terms of their supply chains, in terms of their financial markets, in terms of their public debt markets. But there are a number of features in the relationship between these two that actually lead me to think that this outcome, growing tension and possibly conflict, is far more likely than we think. And I divide them in two categories. One is development in the realm of economics, and the other is in politics. And I'll focus on the economy for a second. And in both instances, you'll see technology and innovation interwoven into the argument, because actually tech is, in my mind, completely changing features of the economy and of political dynamics that are affecting geopolitics. So I'll start on the economics. And on the economics, there are three issues that I think are essential. One is, and they're odd and unexpected. One is that the digital economy is producing the clustering of knowledge, and this is something that we thought wouldn't happen. We thought that the world was going to be flat, and the digital revolution was going to make geography redundant or unimportant when it came to the distribution of economic opportunity. So people would connect to productive processes, and they would unplug, and they could almost be anywhere geographically. Now, counterintuitively, the data from the last decade or so points exactly to the opposite. So the digital economy is producing these very tight clusters of know-how and knowledge. The reasons that we think this is occurring is that there's a particular type of knowledge called tacit knowledge, which is knowledge about particular industry practices, or technical knowledge that is so specific that is only valuable when exchanged in very interdisciplinary tight settings, in cafeterias and corridors of research centers and innovative corporations. In Spain, by the way, we've been having a big debate this year about something called the emptied Spain, which is this notion of the provinces being sucked of people that are being drawn into the larger cities, Madrid and Barcelona, sort of the periphery being left behind. If I could show you a map of the US right now and of economic growth over the last few decades, that map would show you, a topographic map, it would show these huge valleys and suddenly these spikes in very particular places, in Cambridge, Massachusetts, in Silicon Valley, in the large cities and in particular places, in Shenzhen. Why is it? This is relevant for many reasons. For the China-US collision, I think it's relevant because we're seeing these two countries beginning to compete ever more radically for these clusters. And they turn the global economy into a much more zero-sum game. So that's one trend. The second is the clustering of the concentration of productivity growth. And this, in my mind, is extremely relevant. And we tend to not read into the geopolitics of this. But as you know, economists have been engaged in this very long debate about why productivity growth seems to be stalling or slowing despite technological advancement. So the OECD went back, and what they did is to try to understand this process. They segregated the corporate sector in advanced economies into two groups of firms, ones which they called frontier companies. These are less than 5% of the total corporations in advanced economies, and the rest they called laggard companies. So frontier firms were the ones where productivity had grown the most. Now what they found, and I think this is really fascinating, is that that small group of corporations saw productivity growth in excess of 30% in the last 10 years. The rest saw no productivity growth. Why is this relevant? Because it reveals a oligopolistic, if not outright monopolistic, tendency in digital markets, productivity to concentrate in platforms and in companies that collect, process, and use data. And most of these firms, most of these frontier companies are in the US and China. So again, if I could show you a list of the largest, 20 largest technology companies in the world, they would all be Chinese and American. Not a single European company on that list, by the way. This is very significant for Europe,
But it's also very significant for global geopolitics because it means, again, a much more zero-sum economy where you're competing for the frontier of the tech space. And China and the US are competing for that space head-on, particularly after China approved its Made in China 2025 strategy and made that explicit in a document where it states that it wants to dominate the cyberspace, robotics, AI, et cetera, right? So I know for a fact that that particular strategy created huge concerns in the US, and not only in the Treasury and the Commerce Department, but also in the State Department, in the National Security Council. It's a geostrategic issue for the US. So these two countries are going head on for the dominance of that space. The third trend is that we're also seeing a concentration of transfer. So if I could show you a map of the world with the most successful startups, the unicorns, and their geographic location, almost all of them will be in China and in the United States. So the centers of transfer and innovation at the startup level has also been segregated geographically. Now, why are all of these things significant? Because it basically draws a highly competitive world, particularly for the dominance in the tech and innovation space. But the collision between the US and China doesn't stop there, because there's a whole set of issues around the politics of this. So, you know, there have been a number of articles of people saying, oh, this fear-mongering about China in the West, it's like what happened with Japan in the 70s and the 80s. And then everybody will relax when they see that actually Chinese growth slows down. It actually has nothing to do with the Japanese case, to a large extent because of the politics of China. And here I also want to mention three things. One is, China seems to be defying the thesis — this is a very widely held thesis among political scientists — that when countries reach a certain level of wealth, particularly measured in income per capita, that produces a middle class, a complex middle class, too complex to manage by a centralized authoritarian regime, and hence you have a democratic transition. China is approaching the levels of GDP per capita where we should see that, and that's not occurring, right? So the strategy in the West, I think, has been convergence. We would open our markets and the WTO to China, because eventually that would produce political convergence. But we're not seeing that, and I think that's what's leading to this major shift. And the second two points, and I'm going to be very brief on this, are the use of technology in China for repression. This famous Chinese surveillance state, as you know, that they're registering the entire Uyghur minority in Xinjiang is now registered through facial and iris recognition tools. The New York Times actually just revealed that their DNA has been sequenced, and the level of aggregation of this data is fairly high up. So it's the Interior Ministry, the police. And this is not the most interesting thing. It's the third issue, which is, and this came up in a bear with me for a second. If you think of political systems as systems of information, and that's to some extent what they are, they're meant to procure information about how people feel and their concerns and feed it into the decision-making bodies. That's what free press is and free association. Democracy is a particular system of information. What some Chinese colleagues are beginning to claim, and we saw a little bit of that here, is that through big data and AI, China has unlocked a system of information that is superior to democracy. So some Chinese colleagues of mine would say to me, we know what our citizens want and need without the messiness of democracy and elections. We're going to do that through data and AI. And this is what transpires in some conversations, right? It's an alternative model infused of technology and making heavy use of that. So I'll end on this note, that I think that the collision with China, and some people in the US I think see this far more clearly, is very structural and is connected to very deep trends in how economics works in the digital era, and in the capacity for technology to change the sustainability of an authoritarian regime. And I think that means that the collision is going to be fairly structural and sustained over time. And I think that's one of the backdrops to this conference. Thank you. Well, thank you. Thank you, Manuel. So now you will all understand the name, actually, of his university chair. I didn't say beforehand, because it is easier to understand afterwards. So he is Professor Rafael Del Pino, of Practice of Global Transformation. So that was a good presentation. I don't know if there are so many university chairs of global transformation.
Thank you, Manuel. Et maintenant, je passe la parole à aussi un ami de longue date et de la World Policy Conference en particulier, Fatala Walalou, qui a été ministre des Finances, qui a été maire de Rabat et également un universitaire et un auteur prolifique, notamment d'un excellent livre sur la Chine. Mon cher Fatala, tu as la parole. Merci Thierry. Bonsoir tout le monde. Lors de votre dense introduction, Thierry, vous avez dit que l'Europe doit rassembler ses efforts pour rester dans le jeu de la mondialisation. Disons pour rester in. J'en profite premièrement pour vous féliciter pour le succès de cette session de Marrakech. Cette interpellation est un enjeu pour l'Europe, mais ça dépasse aussi l'Europe. Bien sûr. C'est un enjeu qui concerne l'avenir de la mondialisation pour plus de partage, plus d'équilibre et plus de multipolarité. Et ça concerne notre région, la région du Maroc, c'est-à-dire la région afro-euro-méditerranéenne. Et c'est mon centre d'intérêt. Et c'est à partir de ce centre d'intérêt que je vous propose une lecture à partir du court terme, d'une part, et du long terme, en deuxième lieu. Lecture à court terme. Nous terminons actuellement la deuxième décennie du XXIe siècle. Une décennie difficile pour la Méditerranée et quelquefois même mauvaise. Au nord, durant ces 10 dernières années, l'Europe a vécu une crise qui s'est installée en Europe de l'Ouest depuis 2008. Elle a obligé les États à des politiques de relance, donc à des surendettements. Et puis, cette crise s'est approfondie, surtout au sud de l'Europe. Elle a amené même à poser le problème à travers la question grecque de l'existence même de l'euro. Et malgré une petite reprise dans l'ambiguïté, en 2016, l'inertie continue. C'est elle qui l'emporte. Et l'Europe commence à douter d'elle-même, et commence à douter de ses rapports avec sa proximité. Elle doute peut-être même de sa démocratie, alors qu'elle est la mère de la démocratie, avec le Brexit et la montée du populisme. Pourtant, elle a tant d'atouts en termes de valeurs, en termes d'histoire et en termes de position géographique. Au sud de la Méditerranée, une décennie encore plus difficile. Après des interventions étrangères, des guerres civiles, des risques de dislocation d'États-nations, de montée du conservatisme, du radicalisme, de déstabilisation. Et pendant ces 10 années, on a risqué même d'oublier la question palestinienne, mais elle habite les consciences et les esprits. Bref, une décennie de grand recul pour la Méditerranée, mais une décennie dans laquelle le monde a changé, a bougé. L'Asie confirme son accession. La Chine est devenue, au début de la décennie, la deuxième puissance mondiale. L'Inde est devenue la cinquième puissance mondiale. La Chine a lancé son initiative sur la route et la ceinture. Et puis, à la fin de cette décennie, c'est clair, c'est la naissance d'une nouvelle bipolarisation où on retrouve et les États-Unis et la Chine. Avec tout ça, sur le plan économique, la décennie se termine dans l'incertitude. La baisse de la croissance mondiale,
les guerres commerciales, le recul du multilatéralisme, et puis, en plus, bien sûr, la montée des risques d'instabilité géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique, au Sahel notamment. Je voudrais relever, pour revenir à des aspects économiques, trois observations. En Europe, je constate que la fragilité politique interne des pays, notamment en Europe, ne permet pas à un pays comme l'Allemagne, doublement excédentaire au niveau budgétaire et au niveau des rapports extérieurs économiques, pour prendre l'initiative d'une relance pourtant nécessaire. Je relève de l'autre côté, en Asie, que le rythme, la baisse du rythme de la croissance chinoise, qui appelait encore à s'accentuer, me semble-t-il, autour de 6%, peut-être moins de 6%, parce que la demande domestique interne en Chine n'arrive pas totalement à se substituer à la baisse de la demande extérieure. Et puis je relève la guerre commerciale, États-Unis-Chine, États-Unis-Europe aussi, il ne faut pas l'oublier, mais en fait surtout c'est une guerre de plus en plus essentiellement technologique. Et dans cette guerre, l'Occident interpelle la Chine pour qu'elle fasse évoluer son modèle économique et surtout politique. Je crois qu'elle n'est pas prête. Elle va continuer à promouvoir son économie du marché, je dirais même son capitalisme, en renforçant la centralité politique. Ça lui a permis de maîtriser mieux le long terme. Mais peut-être c'est à l'Occident, aux pays démocratiques, d'agir en interne pour faire évoluer leur propre système politique, leur propre démocratie, pour qu'elle intègre aussi le long terme. Et ceci m'amène au long terme. Le long terme, c'est l'évolution de la nouvelle mondialisation. C'est 2030, 2050 et plus tard. Comment notre région, c'est ça ce qui m'intéresse le plus, afro-euro-méditerranéenne, doit répondre à cette nouvelle mondialisation, et notamment à ces quatre défis essentiels. Le premier défi, c'est à partir de l'Afrique. C'est celui de la croissance démographique, un basculement essentiel, porteur de risques, mais porteur aussi d'opportunités. Le deuxième défi, ça a été bien dit tout à l'heure par Madame l'ambassadeur, c'est celui du dérèglement climatique qui affecte tout le monde, le nord et le sud, l'est et l'ouest. Et il doit nous imposer tous une approche de partage dans le monde, dans nos relations. Là, je reviendrai très rapidement à la Méditerranée pour relever une étude qui a été publiée seulement il y a 2 jours et qui conclut que la Méditerranée se réchauffe 20% de plus que le reste du monde. Le troisième défi, c'est celui de l'amplification des inégalités dans le monde. Et à l'intérieur, ça va ? Ça va. Très bien. Donc, la question de l'inégalité
doit nous amener à promouvoir une approche de partage et même à travailler pour rénover l'économie politique, pour qu'elle intègre la question de l'environnement et la question des inégalités. C'est-à-dire, en fait, aussi le mode de développement, le mode de vie, ça a été bien dit par Monsieur le Premier ministre Fabius hier. Enfin, quatrième défi, c'est celui des nouveaux antagonismes géopolitiques. À partir de la question de l'eau, essentielle partout en Afrique et ailleurs, mais en Afrique, à partir de des défis de la pauvreté, mais de plus en plus à partir aussi des éléments et culturels et religieux. Là aussi, on a besoin de partage, c'est-à-dire de plus de tolérance, de plus de reconnaissance de toutes les civilisations essentielles. Et puis, à côté de ces quatre dynamismes, il y a deux dynamiques ou deux enjeux qui s'interfèrent. La première dynamique, c'est la dynamique de la révolution technologique, autour du numérique, bien sûr, et de l'intelligence artificielle. Et la deuxième dynamique, c'est cette nouvelle bipolarisation États-Unis-Chine. À notre région de trouver une réponse pour tout cela. Avant tout, l'Europe, qui doit reprendre sa cohérence, se réconcilier et reconnaître sa proximité. Et là aussi, je suis d'accord avec vous, c'est la proximité avec la Russie à l'est et la proximité surtout avec l'Afrique et la Méditerranée au sud. L'Afrique et les pays sud-méditerranéens doivent se rassembler, je pense bien sûr au Maghreb, et crédibiliser leur système politique et leur stratégie économique. Tout cela pour rendre à la Méditerranée sa sérénité, son dynamisme, sa centralité nécessaire pour un monde plus équilibré, plus multipolaire, et faire en sorte que cette Méditerranée devienne un champ d'expérimentation avancée de cette stratégie de partage et d'équilibre. Je vous remercie. Merci, Fadala. Je voudrais rebondir sur ta remarque concernant l'économie, la science économique. Je pense que vous avez tous vu que Esther Duflo a été couronnée du prix Nobel d'économie il y a quelques jours. Elle représente des recherches aussi très originales dans le domaine des inégalités, la pauvreté surtout. Et ce qui est très intéressant, on n'a pas le temps de commenter davantage, c'est de voir l'évolution de l'affectation des prix Nobel à travers le temps. C'est-à-dire, il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était juste avant d'ailleurs la grande crise de 2007-2011, le prix Nobel a été décerné à quelqu'un que je ne citerai pas pour des travaux sur lesquels il se fondait pour dire que des crises économiques du type de l'entre-deux-guerres était absolument exclu à tout jamais. Donc c'est en effet très intéressant de voir l'évolution intellectuelle, n'est-ce pas, de l'approche des questions économiques. En tout cas, merci infiniment. Et last but not least, alors je ne sais pas dans quelle heure, dans quelle langue tu vas parler, du moment que ce n'est pas le japonais, on s'en tirera. Alors, Yoichi Suzuki est l'un des très grands diplomates du Gaimusho, avec une magnifique carrière, et il a été notamment notre dernier ambassadeur actuellement du Japon à Paris avant l'actuel. Il a ensuite d'ailleurs terminé sa carrière en négociant le traité commercial, comme on l'a rappelé tout à l'heure, entre le Japon et l'Union européenne. Et il est, je crois, un ami de plusieurs d'entre nous ici. Donc, cher Yoichi, le floor est à toi. Merci, Thierry. Je contredis, the floor is yours. Bon, je vais au moins essayer de commencer en français. Bon, beaucoup a été dit.
Tout d'abord, je me rejoins aux autres pour te féliciter, toi et tes collaborateurs, et d'ailleurs tout le monde, pour une excellente conférence avec beaucoup d'informations, beaucoup de food et beaucoup de food for thought. Bon, beaucoup a été dit par les orateurs qui me précédaient sur cet état de choses, soit G2, soit, disons, un monde bipolaire, ou disons, un état binaire à la Kevin Rudd. Donc, je n'ai pas besoin de développer les relations, disons, la situation actuelle où il y a d'un côté les États-Unis, d'autre la Chine qui un peu domine tout le monde. Mais j'ai noté qu'il y avait trois quand même objectifs qui étaient partagés par beaucoup pendant les trois journées de débat, partagés au moins par les non-américains et les non-chinois. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, on voulait éviter à tout prix être mis dans une position où il fallait choisir l'un ou l'autre. Deuxièmement, comment protéger nos propres intérêts face à la pression, soit américaine ou chinoise. Et troisièmement, minimiser les dégâts, l'endommagement du système international. Et là aussi, à travers les discussions, je pense avoir identifié au moins deux pistes. Excusez-moi d'être simple. Une piste, c'est une collaboration, coordination, coopération entre les acteurs non américains, non chinois, à commencer par le Japon, l'Europe, l'Inde, l'Afrique et autres. L'autre, c'est de développer, comme disait John Sowers, un moyen de reconstruire ou construire un nouveau système de Global Commons, je ne sais pas comment on dit ça en français, bien commun ou bien social. On dit plutôt bien commun. Bien commun. Ouais. Et donc là, bon, j'aimerais quand même rentrer chez moi sur une bright note. Donc, je vais essayer de voir si on peut poursuivre ces deux pistes d'une manière concrète. Bon, mon observation, par exemple, dans le domaine de la commerce extérieur, on a déjà commencé à noter, grâce à un commencement de la coopération, collaboration entre certains partenaires que nous avons au Japon, la possibilité de trouver, disons, un terrain sur lequel éventuellement on peut pas forcer Trump à revenir sur le multilatéralisme ou sur des accords non bilatérales, mais quand même il y a la possibilité de construire une base. Par exemple, le Japon a négocié et conclu ce que nous appelons Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP, ou TPP moins les États-Unis. C'était entré en vigueur. Nous avons aussi négocié et conclu l'accord avec l'Union européenne qui est aussi entré en vigueur. Trump a vu ça, et justement Trump a vu que les Américains étaient défavorisés parce qu'ils ont décidé de sortir de TPP, d'où la pression de négocier un accord bilatéral. Mais si vous voyez bien, bon, c'est un accord, l'accord bilatéral qu'on a signé est malheureusement, d'une nature court-termiste parce que c'est défensif. On voulait éviter de contrôler la pression américaine, mais malheureusement, cela a envoyé un signe qui était mixte. Je dirais que ça a posé beaucoup de questions sur l'effet que cet accord aura sur le système multilatéral. Mais de toute façon, Trump a vu que ce n'était pas dans l'intérêt des Américains de rester en dehors. Même chose pour USMCA, le nouveau NAFTA. Il y a beaucoup d'éléments de TPP là-dedans. C'est-à-dire qu'il a négocié quelque chose qu'il dit bilatéral, mais il a incorporé beaucoup d'éléments qui étaient déjà négociés sur le plan plurilatéral ou régional. Donc, il y a une possibilité, même si Trump n'admet pas qu'on peut petit à petit le forcer à
accepter des éléments qui étaient ou qui seront négociés à l'extérieur d'une manière plus latérale ou multilatérale. Deuxième chose, bon, on a beaucoup parlé de la connectivité, c'est bon, connectivité, ce que vous dites, monsieur le ministre, l'initiative chinoise, c'est pas mal, mais il faut, bon, la notion de la Chine, que tout le monde a sa propre modèle de développement, et on laisse, disons, tout le monde à choisir le modèle de développement, peuvent être quelquefois problématiques. Parce que là, si vous choisissez votre modèle, et si votre modèle est, vous amène à tomber dans le piège d'endettement, vous aurez apparemment un problème. Vous avez une structure avec la dernière technologie, mais vous êtes fortement endetté, c'est un problème. Donc, il faut trouver quand même une politique commune qui est partagée par beaucoup de gens qui vous évite à tomber dans ce piège d'endettement et de pouvoir réaliser une construction d'infrastructures pour la connectivité durable, non seulement pour la gestion de dette, mais aussi pour les questions climatiques. Il ne faut pas ajouter de nouveau les infrastructures qui émettent des gaz à effet de serre. Bon, je peux peut-être, bon, avec le temps qui reste, je peux m'arrêter là, mais si le temps me permettait, j'aurais voulu aussi aborder la question de comment développer les moyens pour construire ou de renforcer le Global Commons, à commencer par l'OMC. Mais apparemment, tu as les réponses et que d'autre part, tu as parlé moins longtemps que d'autres, tu peux te donner 2 minutes. D'accord. Bon, une chose. Bon. D'un côté, bon, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, bon, il y a 12 éléments ou 3 éléments qui ne peuvent pas être résolus sur le plan bilatéral. La question de propriété intellectuelle, la subvention aux entreprises d'État et le transfert de technologies forcées. Ce sont les questions que nos amis chinois ne bougeront pas sous la pression bilatérale des Américains, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. La seule façon pour convaincre les Chinois, parce que les Chinois respectent, comme nos amis chinois disent, le multilatéralisme, c'est de trouver un moyen, à travers l'OMC ou peut-être ailleurs, les règles qui ne sont pas là pour résoudre cette question. Bon, le transfert de technologies forcées, il faut développer les nouvelles règles. Pour les questions de subvention d'entreprises d'État, c'est plutôt une question de trouver un moyen d'exécution des règles de l'OMC qui existent encore. Mais de toute façon, on peut essayer au moins. Et troisième question, c'est qu'il faut trouver, comme a dit par Manuel, l'économie digitale, l'économie numérique. L'économie sera dominée par les Américains, les Chinois, et pour tout le reste du monde, il faut trouver une règle multilatérale. Bon, il y a 3 écoles actuellement pour la gestion de l'économie digitale. Les Américains, qui sont un système de libéralisateurs, ils veulent un principe 0 réglementation. Le modèle européen, c'est le modèle de réglementation nécessaire, par exemple, pour protéger les données personnelles et autres. Et troisième modèle, c'est le modèle chinois qui est mercantiliste, c'est-à-dire vous n'ouvrez pas votre propre espace digital, mais vous bénéficiez de l'ouverture de l'espace digital des autres. Bon, il y a 3 modèles. Et pour les non-américains et les japonais, il y aura un bénéfice. Non-américains et non-chinois, il y aura une énormément de bénéfices de consulter et de choisir lequel des 3 modèles, et je connais la réponse, qui sera le plus bénéfique. La réponse ? Le modèle européen. Voilà. Merci. Écoute, merci beaucoup. L'une des premières, ou la première remarque dans ta conclusion, enfin, avant le rajout, si je puis dire, c'est-à-dire l'idée que les pays hors États-Unis et Chine
discutent ensemble, non pas contre, il ne s'agit pas d'être contre ni les États-Unis ni la Chine, mais discutent ensemble pour essayer de voir leurs propres intérêts. Bon, cette idée-là est exactement le point de départ de la World Policy Conference il y a 12 ans. Hein, parce que, c'est-à-dire, on appelait ça les puissances moyennes. Donc, c'est une des vocations fondamentales de cette conférence où nos amis américains et chinois sont présents. Nous sommes très heureux qu'ils soient là et on en voudrait même un peu plus. Mais l'agenda, la manière dont nous concevons les discussions est différente. C'est-à-dire qu'on essaie de voir les choses du point de vue des puissances moyennes. Et j'ai même constaté que aussi bien les amis américains et chinois qui viennent ici s'y intéressent précisément à cause de ça, parce qu'ils voient un autre point de vue que celui auquel ils sont habitués. Alors sinon, on a quand même quelques minutes pour la discussion, mais vous me permettrez non pas de prendre 10 minutes à mon tour, mais de vous faire une observation sur la question qui m'a été parfois posée. Qu'est-ce qui, moi, m'a frappé le plus ces trois derniers jours? Et je vous le dirai de façon très, très simple. C'est le contraste entre, d'un côté, les perspectives abyssales de la technologie qui ouvre des possibilités fantastiques, diaboliques à certains égards, mais également extraordinairement positives, et de l'autre, l'impuissance. L'impuissance face typiquement au grand problème du climat, et de ce point de vue-là, je crois que la session avec Laurent Fabius et Patrick Pouyonnet était assez révélatrice. C'était un peu un dialogue de sourds, d'une certaine manière, même s'ils se comprenaient fort bien en un certain sens. Et parce que c'est très facile de dire « il y a qu'à, faut qu'on, faire ceci, etc. etc. » Le problème, c'est qu'on ne sait pas le faire. Le problème, c'est que l'humanité n'a pas l'expérience, on peut appeler ça multilatéralisme ou tout ce qu'on voudra, mais on n'a pas la connaissance de la méthode pour traiter des problèmes de cette ampleur, et surtout lorsqu'ils impliquent des conséquences de très long terme qu'on évalue pas d'une façon précise, parce que dire que la planète va se réchauffer de 3 degrés, par exemple, dans les 20 prochaines années, peut-être même plus, ça ne dit pas grand-chose, parce que ce qui est important, c'est de savoir comment ces 3 degrés se répartissent. Il y a des pays qui vont en bénéficier, d'autres qui n'en bénéficieront pas. Il y en a pour lesquels ça va être catastrophique, la montée des eaux, la montée des mers. Il y en a qui vont avoir des multiplications de tornades et de phénomènes singuliers. Mais comme on ne sait pas exactement répartir les conséquences précises de cette montée climatique, la perception des différents pays, des différents États, de leurs intérêts est extrêmement variable. Et comme la politique, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, la préoccupation principale sur le court terme, surtout, il faut bien le dire, dans les démocraties libérales, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont si critiquées aujourd'hui, on se trouve devant une situation d'impuissance. Et donc, je pense que l'une des œuvres, l'un des travaux majeurs auxquels on devrait tous s'atteler, c'est-à-dire les intellectuels, mais également les praticiens de la diplomatie qui ont une expérience de chevronner la diplomatie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut élaborer de nouvelles méthodes aussi de négociation, n'est-ce pas, et pour que les résultats de ces négociations aussi soient respectés, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un droit on a un beau droit, la COP21 était un grand succès en un certain sens, mais que vaut un accord qui est tellement vague en définitive et qui ne prévoit aucune espèce de sanction, par ailleurs, pour ceux qui ne le respectent pas. Voilà, donc c'est ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que tirer les sonnettes d'alarme, on le fait tous. Mais ayant dit ça, on n'a rien dit. La question, c'est comment s'y prend-on? Moi, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre et qu'il faut donc apprendre de nouvelles méthodes, tout en bénéficiant évidemment de l'héritage multiséculaire, de la diplomatie et de la, pour reprendre l'expression d'Assia, de la sagesse des nations.
Voilà, alors maintenant, nous avons donc quelques minutes et je passerai la parole à qui ? Jean-Claude Gruffat. I should say Jean-Claude Gruffat. Oui, parce que vous avez compris qu'il est quand même américain, hein, et, bon. Mais enfin d'origine française quand même. Bon, je voudrais d'abord remercier Thierry, remercier toute l'équipe. Ça a été, j'ai assisté à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des WPC et j'étais à Évian. C'est un moment extraordinaire. Et quand je vois les progrès qui ont été accomplis, tout cela tient évidemment au travail qui est fait par les organisateurs, mais également à la qualité des personnes qui ont été associées au fil des années. Donc c'est très bien de reconnaître les anciens, mais je crois qu'il faut aussi se féliciter d'avoir maintenant des éléments plus jeunes, une plus grande diversité géographique, une plus grande diversité d'hommes et de femmes. Moi, je trouve que tout ça est remarquable, et je voulais t'en remercier et t'en féliciter. Premier point. Le deuxième point, moi, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire à propos du débat sur l'environnement, que j'ai trouvé effectivement fascinant. Mais il y a une chose que j'ai retenue, moi, de ce débat, c'est deux dates. L'un parle de 2050 et l'autre parle de 2025 ou 2030, je ne sais plus exactement. Et on voit bien la différence entre le politique et, j'allais dire, le praticien. Le praticien, il est prêt à s'engager sur des objectifs, il l'a dit d'ailleurs, je suis pratiquement verbatim, moi, je suis prêt à m'engager sur des objectifs que je sais réalistes et atteignables. Mais quand on est un chef d'entreprise responsable d'une grande entreprise, responsable comme Total, il est normal qu'il s'engage sur un horizon de temps qu'il peut maîtriser. Et la grande faiblesse de l'accord de Paris, c'est qu'on est au calende grec et on n'a pas de moyens concrets d'y arriver. On se dit c'est en 2050, on va être vertueux, on va dire en 2050 on sera compatible, on sera conforme, et en fait on n'a strictement aucune idée. Et c'est tellement loin. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière de banquier, on m'a dit il faut faire des prêts à long terme, on ne sera jamais là pour savoir si on les remboursera. Donc, c'est un peu la même philosophie, je crois. Donc, je ne voudrais pas être pessimiste, oui, mais oui. Moi, j'étais un peu frustré par ce débat. Non, mais il faut être lucide. Voilà. Alors, ça, je te signale quand même qu'entre 2025 et 2050, il y a 2049. Et que 2049, c'est une date très importante parce que ce sera le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Et que c'est là... C'est là, n'est-ce pas, l'idée que, les Chinois ont cette date oui, en tête extrêmement précise. Ça n'est pas 2050, c'est moins une. Voilà. Alors, Joseph Maïla. Merci beaucoup, Thierry. À mon tour, bon, je voudrais me faire peut-être le porte-parole de tout le monde, mais tout le monde te félicitera pour cette excellente conférence qui a permis deux choses. La première, c'est de poser globalement le problème de la globalité. C'est-à-dire, la globalisation du monde nous entraîne sur trois questions qui ont été abordées. L'économique et l'environnemental, le technologique et le cybernétique, et puis la question du stratégique et de l'antagonique. C'est un premier point, il me semble extrêmement important. Nous avons pris le pouls du monde à la mesure des problèmes qui se posent. La deuxième remarque que je voudrais faire, qui rejoint tout à fait celle que tu as faite, mais je ne parlerai pas d'impuissance. Je dirais nous sommes aujourd'hui dans l'âge du découplage entre l'utilitaire et le politique. Nous avons toujours appris et compris à nos étudiants que la politique, c'était l'art de la résolution des questions que se pose la cité. Alors, moi, c'est un Karl Marx technologique qui me revient à l'esprit quand il disait que l'humanité ne se pose jamais les questions qu'elle peut résoudre. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui au pied du mur. Donc, impuissance, oui, mais momentanée, mais ce découplage entre cette déshumanisation des problèmes, où véritablement l'humain n'est plus là, nous gérons des problèmes comme si nous étions observés comme un entomologiste et observe les fourmis sous son microscope. Ça, il faut qu'on en sorte. Mais tu nous as donné la piste, parce que l'idée, c'est au fond de consacrer la prochaine World Policy Conference à l'âge de la réponse. Nous sommes dans l'âge des problèmes ou des questions, il faut passer à l'âge des réponses. Alors, trois remarques et pas de questions a priori sur les conséquences qu'on peut tirer d'une conférence comme celle-là, notamment en question de quelles sont les réponses que nous pourrions apporter. La première, c'est que en écoutant notamment M. Mouniz, je prononce votre nom comme il faut, j'espère. Oui, oui. C'est de me dire qu'au fond, les problèmes de la globalisation sont en train de devenir les problèmes de la petite localisation.
tous les grands problèmes aujourd'hui, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient de différence, des inégalités qui ont été signées par qui ont été signalées par l'ancien maire de Marrakech ou de Rabat. Et nous les vivons. C'est le problème des gilets jaunes. Mona Makram Abed a parlé de la question de l'Égypte. C'est la question aussi de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons revenir à une configuration du Moyen-Âge, c'est-à-dire où les cités étaient en train de se créer et autour il y avait du désert. C'est le problème de Johannesburg, c'est le problème du Caire, c'est le problème de Paris d'une certaine manière, et que tout le monde vive dans la cité, et que dans cette cité, ce monde de la cité-ville délite le lien du politique. Parce que tout le monde va là où il y a les hôpitaux, les écoles, etc. Donc, et on fait le vide autour, mais on ne voit pas que c'est la citoyenneté qui est atteinte, et pas seulement la dissémination dans l'espace géopolitique ou géonational des questions qui se posent. Le second, en termes de géopolitique, bien sûr, il y a des tensions, elles resteront. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de sortir de l'âge des systèmes de solidarité collective pour entrer de nouveau dans l'ère des relations ou des alliances bilatérales? Quand le système international se délite, quelle est la tentation? Quand l'Amérique ne couvre plus, c'est de se dire, écoute, moi je vais faire affaire avec le premier qui est à côté de moi. Et donc les Américains, les Anglais, si le Brexit, feront affaire avec, je ne sais pas, avec les Américains, nous ferons affaire avec les Allemands, etc. Donc le retour des alliances, et le troisième point, pourquoi en ne passant pas à l'âge des réponses, mais c'est toi qui nous tends la perche, on ne passerait pas à l'idée, comment négocier, qu'est-ce qu'une médiation, comment traiter des problèmes? Il y a un problème immense aujourd'hui que nous n'avons pas traité malheureusement. C'est le problème du Yémen. Merci. Alors, je crois qu'il faut. On arrive maintenant quand même au moment où il faut conclure. Ce que je vais faire, c'est inviter aussi celles et ceux qui auraient vu ou voulu s'exprimer de nous envoyer. N'hésitez pas à nous envoyer par écrit des remarques, des suggestions, des propositions. On peut faire un peu de bottom-up. Pour notre... je parle anglais quand même, là. Et ça nous sera très utile. Donc, le moment est venu des remerciements. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que le succès de cette 12e édition de la World Policy Conference, c'est le fruit aussi d'un partenariat, on va dire franco-marocain, exemplaire. Et donc, je voudrais d'abord, je l'ai fait rapidement aussi hier soir, remercier, j'ai dit le Maroc, parce que je crois que c'est le Maroc, et le Maroc ici est incarné par Mostafa Terhab. Je vais te demander de faire un deuxième effort, c'est-à-dire de te relever. Voilà. Alors... Mostafa Terhab travaille beaucoup, mais il ne travaille pas tout seul, lui non plus. Donc il a un certain nombre de collaborateurs tout à fait remarquables. Je ne vais pas, c'est impossible de citer tout le monde, mais il y a tout de même une personne que je voudrais citer, c'est Siam, je ne sais pas où elle est, si elle est là, qui a été, mais il y en a bien d'autres, je ne vais pas les citer. Mais Siam, tout le monde l'aura remarqué parce qu'elle a fait partie de ces femmes qui se sont baladées comme Sangnim ce soir avec des lunettes noires. Parce que ça fait bien. Ah ben voilà, mais elle n'a pas ses lunettes noires. Voilà. Je voudrais aussi saluer mon ami Karim Elenaoui qui dirige brillamment l'office. Voilà. L'OCP Policy Center qui a été rebaptisé du très joli nom de Policy Center for the New South. Voilà. Eh bien, il y a du boulot, comme on l'a vu. Donc, tous nos amis marocains, je les remercie chaleureusement. Et je remercie d'ailleurs aussi les interprètes. Aussi, les interprètes sont souvent victimes de remerciements insuffisants. Mais comme j'ai l'impression que ce qu'on a dit les uns et les autres, en gros, a été compris, c'est plutôt bon signe. Et Dieu sait que
rôle de traducteur est important et difficile. Donc soyez-en aussi chaleureusement remerciés. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier l'équipe de mes Shiva, là, hein, mes différents. Mais ce n'est pas vraiment Shiva parce qu'il y a une personne avec laquelle vous avez été en rapport aussi toutes et tous en permanence. Et cette personne, est-ce que je la nomme ? Song Nim Kwon. Voilà. Il faut se lever aussi. Voilà. Ah ben. Si j'en avais autant d'applaudissements, je commençais à être jaloux. Moi, ça va commencer là. Voilà. Et elle a fait un travail extraordinaire aussi avec ses équipes. Il faut voir qu'évidemment, un travail comme ça aussi, c'est jour et nuit hein, pendant un certain temps. Donc, il est important de trouver des gens qui peuvent ne pas dormir trop hein, et qu'on puisse mobiliser à toute heure du jour et de la nuit. Et puis, il y a aussi toutes les équipes qui travaillent avec nous depuis le début, depuis la conférence d'Évian, à laquelle Jean-Claude faisait allusion tout à l'heure, la première en octobre 2008. Et je voudrais demander à Florent Chanterac voilà, de se lever, toujours fidèle au poste, avec toute l'équipe qui l'entoure. Mais là encore, je serais tenté de citer tout le monde, mais il y a quand même quelqu'un que je ne peux pas ne pas citer parce qu'elle souffre toujours avec élégance, c'est Marie Lopez. Où est-ce qu'elle est là? Voilà, parce que elle, voilà, Marie Lopez, parce que s'occuper notamment des chambres, la distribution des chambres, etc. Enfin, tout ça, c'est entre autres, puis de tout le problème de qui arrive quand, etc. C'est, dans l'ensemble, elle reste calme. C'est quand même assez extraordinaire. Je vois aussi Casmira qui a accueilli beaucoup d'entre vous. Voilà. J'ai oublié quelqu'un ? Qui d'autre ? Il y a beaucoup d'autres. Marie-Christine de Montréal. Ah, voilà, lève-toi. Ben écoute. Bon, je vais forcément oublier, mais je dis que c'est impossible de citer tout le monde. Mais je crois qu'il faut aussi remercier les participants, les membres. Nous les aimons bien appeler, nous ne parlons pas tellement des participants, on les appelle les membres. Parce que je crois que c'est véritablement cet esprit de club qui s'est développé au cours du temps, qu'il faut absolument accroître. Alors, Jean-Claude parlait tout à l'heure, il faut des gens, il faut diversifier davantage aussi en termes d'origine. Quoi ? Ah oui. Et puis, il faut aussi peut-être davantage de femmes, davantage avoir un éventail d'âge aussi plus représentatif. Moi, je crois qu'il faut des jeunes, des moyens et des seniors. Bon, mais tout ça, c'est un travail qui se fait au fil des ans. Hein, et si vous me permettez un dernier mot, je crois que si on veut faire évoluer la WPC d'une manière positive, il faut pas faire de révolution. Il faut faire une évolution. Par exemple, si on amenait, je ne sais pas moi, 100 personnes de plus brutalement, ça changerait complètement l'atmosphère. Donc, il faut faire évoluer. Je crois d'ailleurs que Massaf Attirab aussi et le Maroc nous en donne l'exemple avec l'université Mohamed VI qui a été ouverte, qui est admirable avec des installations, des équipements tout à fait remarquables, mais aussi une très grande prudence pour monter en puissance aussi bien du côté des étudiants que du côté du corps enseignant, parce que si on va trop vite et sans avoir maîtrisé le processus, on risque ensuite de se trouver dans des impasses. Voilà, donc la WPC est vouée à poursuivre son œuvre. Je crois qu'on a tous ceux qui y sont attachés se rendent bien compte qu'elle est destinée à durer et on va la faire évoluer, l'améliorer, et on compte vraiment sur vous toutes et tous pour nous aider. Je reprendrai là encore parce que j'ai ma chère Assia, ce concept de sagesse adaptative me plaît beaucoup.
Et donc je le retiens et j'en ferai aussi mon miel. Voilà, donc je n'ai déjà que trop parlé. Ah si, je voudrais citer aussi quelqu'un qui n'est pas là parce qu'il n'est pas, il n'a rien de grave, mais enfin il n'est pas autorisé à voyager pour l'instant suite à un petit souci de santé, qui est Nicolas de Germay, et que vous connaissez également tous et qui préside la fondation WPC. Donc, merci à toutes et à tous. Voilà.